Yo les potos. La patate. Ça va bien. Comment qu'ils vont mes petits boosters? Hein? Bah moi ça va, tranquille. Peinardos, donc bah ça va, hein, donc bon bah ma pièce de variateur je l'ai montée hier, ça va pas, il va falloir que je fasse faire des modifs. Donc il va falloir modifier le boule, machin machin. Bref, tout n'est pas rose, mais c'est comme ça. Donc bah là, on est parti pour aller se faire un petit test du Doppler T6 avec la culasse Doppler. Donc T6 full stock avec 2 mm de cale en dessous à peu près. En comptant les cales et les joints. Donc voilà, on va déjà aller chercher de l'essence en fosque. Avec le petit Fox, avec son T6 65, je vais vous mettre sur le casque à l'occasion. On va faire le gros gogol comme d'habitude, hein, parce que faut pas perdre l'habitude, faut pas vieillir, faut pas mollir dans la vie. Donc on va faire le gros couillon, comme d'hab, sur la roue arrière, parce que les pneus ça coûte cher. Voilà. Donc on va aller choper de l'essence avec le bidon. Et ensuite on va faire le plein de la titinette et on ira se faire un petit tour en ville et bon, petite vérif de carb, hein, je pense, parce que n'oublions pas qu'avant j'avais un cylindre qui était avec des tout petits diagrammes et qui comprimait pas bien fort. Donc donc là on a des diags qui sont bien plus élevés, hein. On a à peu près comme je disais tout à l'heure à un abonné qui me posait la question, on a à peu près, je pense, 172, 123, 161, 108 avec le joint d'origine. Donc 172, 123, ça va commencer à winner. Donc on va voir. Donc là, j'ai monté la nouvelle pièce de vario, donc dans le vario. À savoir que ça coince un petit peu. J'ai dû changer un petit peu le calage parce que c'est pas exactement comme je l'avais prévu. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, à froid, ça a l'air de bien partir à l'axelle. On va voir en réel. Allez, on se reprend au box à toutes. Allez, on est parti. J'ai déjà mis l'huile dans le bidon. Le foxon, il est prêt. Allez, on fait péter la bête. Yeah.
Moi j'ai continué pour le plaisir. Hein. Tout on s'interdit. Hop. Bon allez, c'est l'heure du glouglou de Titinette. Allez. Hop. Eh ben, j'ai mis deux petites gouttes à côté. C'est bien plein. On secoue un petit peu histoire que ça descende. Voilà. Parfait. Bon ben je vous mets dans la boîte et on se cause. Testez la bête. Ben voilà les potos, on est sur le point de Ruineau. Je suis vraiment pas prudent. Hein, je suis allé direct au point de run. Alors je sais pas ce que vaut ma carbe. C'est pas bien. Bon, ça comprime pas super génial. Hein. Ouais. C'est pas génial un piston versal. Ça se comprime pas super fort. Bref, je n'aurais pas fait mon resserrage culasse. Mais comme je vais repartir moteur chaud, ben voilà, donc ça a l'air de marcher pas mal, hein. C'est vraiment pas mal ce petit Arsal. Surtout que là, le Vario travaille à peu près à 10 000 tours au mieux, et ça accélère bien. Alors qu'avec ce pot, d'après mes estimations, normalement je serais bien à 11 005 là, 11 005 voire 12 000. Donc bon, de toute façon, on s'en fiche, hein. Pour le moment, on compare avec les mêmes réglages. Voilà, donc bon bah hier, hein, j'ai fait 16 minutes et ma caméra était HS quasiment. Waouh, là on est à 15 minutes 40 et elle est sur la fin, donc je coupe et après on part pour le run. Donc je vous rappelle, hein, n'hésitez surtout pas à me donner un petit 5€ ou 10€ sur ma cagnotte Litchi, hein. Je vous remettrai l'adresse là en description en dessous.
pour racheter une caméra. Donc on en est déjà à 210 balles. Et bah, si j'ai ce qu'il faut pour acheter une GoPro, pour vous offrir de la meilleure qualité, un bon son, et peut-être même l'incrustation GPS, on verra, hein, bien que ça n'a pas l'air très top, et bah, je le ferai direct, hein, j'utiliserai direct la cagnotte pour acheter une caméra. Voilà, donc je vais pas refaire le blabla de la dernière vidéo, je suis en galère, bien que je sois une société de pièces de mob en devenir. Pour le moment, je suis un mec qui galère, et j'ai mis tout mon oseille, tout ce que j'avais de côté, dans Boost. Donc si vous voulez m'aider, bah, donnez-moi un petit coup de pouce. Litchi, voilà, en dessous. Et voilà, ça servira vraiment à tout. Hein. Il faut savoir que j'ai pas le budget pour faire les pièces suivantes, c'est-à-dire un cylindre, une paire de carter moteur très spéciale, très sympa, où il n'y aura même pas besoin, vous pourrez garder les supports moteurs d'origine. Donc sur l'RCX, vous aurez les mêmes vibrations qu'un RCX d'origine, surtout si vous utilisez un bon vélo. Donc ça, le vélo, c'est programmé, ça arrive. Bon, bref, j'arrête mon blabla et je vous mets dans la boîte et puis après on y va. Allez, à tout. Petite page de pub avant d'enquiller, et petite parenthèse pour vous montrer que c'est vraiment la daube. Je sais pas si vous voyez, mais le pot, il est en train de casser encore au niveau du silencieux. Il est vraiment fatigué, ce pot, donc c'est la merde. Oh là là là, j'ai plus de batterie. Bon, allez, à tout de suite pour en mettre plein la tronche à ce pauvre Airsal qui a même pas 100 bornes. Allez, à tout. Bon, on est parti pour le run. Greg, tu nous mets une musique à toi, histoire de cacher un peu ton bruit dégueulasse. Ah, merci. Bon, allez. Bon, je vais pas vous mettre le chemin du retour, hein, parce que la caméra, elle sera morte. Hein. Bon, le moteur a à peine refroidi. Hein. Il était pas bien chaud, donc ça devrait le faire. Allez. En espérant pas lui faire un beau tirage. Un petit 110 en passant entre les deux camions. Petit coup d'adrénaline vite fait. Pas mal. Là, je vais couper, hein. Sinon, on va pas vous faire le début. Allez, à tout. Comme ça, on va vérifier la carte en arrivant en bête.
Allez, je tête, parce que sinon, il y aura peut-être plus de batterie en arrivant. En réserve de chez réserve. Bon ben voilà les potos, donc on a fait un bon petit 110 hein, GPS. Bon, on a une bougie bigou, hein, vanille caramel, donc je jouerai pas trop avec le feu hein. Je vais remettre quelques points et puis faudra en mettre quelques-uns, surtout pour la culasse boost qui va comprimer sûrement plus fort. Allez, à toutes. Petite update flash, donc j'ai changé le gicleur hein, je passe à 101, j'avais 98, je mets 101. Voilà, donc là ça a tenu, j'étais pas à fond, mais il y avait des bagnoles, donc j'ai pris 110, mais ça se trouve je peux faire mieux. Donc là c'était un run de rodage, on va dire. Donc je referai un run avec plus riche et l'ancien Vario. Allez, à plus tard. Voilà, flash update très rapide avant que ça coupe. Donc la pièce du Vario est démontée, donc j'ai remis l'ancienne, et le pot est démonté, je vais l'emmener chez moi. Il vous dit bonjour. Donc on est au R&D Boost. Je vais juste faire concis. Hein. Donc comme je vous disais, ça a coupé. Hein, donc j'ai rechargé un petit peu la batterie. Donc 110. Mais vous allez peut-être voir dans la vidéo, je suis passé entre deux camions à 110. Et j'ai pas trop forcé. Je pense que je peux faire mieux. Donc j'ai dû bénéficier un peu de l'aspiration des deux camions. On verra ça. Donc je vais déjà ressouder le pot hein, qui est en train de péter. Là, je vais le ressouder tout de suite. Donc j'ai enrichi et 2-3 points. Je retenterai un run demain. Donc je vais déjà ressouder le pot et puis hein, donc on se retrouvera demain pour aller monter le pot, parce que je doute que ce soir j'ai le temps, quoique. Oh bah vous êtes encore là les potos. Bon, enfin c'est plutôt moi qui suis encore là. Ouais. Hein, le vlog est pas fini. J'ai eu le temps de recharger la caméra pendant que je soudais le pot. Donc voilà, hein, j'ai refait une soudure bien crado. Hein. C'est plein de calamine, donc ça soude mal. Excusez-moi pour la qualité de la soudure. L'important, c'est que ça tienne et ça devrait. Donc là, on va aller renquiller le pot. Et bon, il tombe des petites gouttes. Hein. Ça fait chier. Mais c'est comme ça. Donc on va le faire ce run taquet. Donc j'ai un peu enrichi. Là vous allez voir avec la pièce d'avant du Vario. Au démarrage normalement, jusqu'au point de run, ça va ouater. Donc allez, on va monter le pot. Et puis on est ergo. Allez, à tout haut. Bon bah voilà, ça y est, c'est remontado. Ça va ? Boostadar. Donc on est reparti au point de run. Donc au Bahamas. Allez, hop, je mets dans la boîte. Et on se recasse. Bon, la batterie elle est pas mal, mais c'est un peu chargé non plus très longtemps. Allez, je coupe et je vous mets en route. Bon allez, c'est reparti, les 110. C'est du passé, donc on efface. Allez, go. Oui, j'ai pas ouvert l'essence. Donc là, j'ai ouvert. Bon, nous y voilà direct sans transition. Hein. J'ai oublié de remettre en route juste avant d'arriver pour que ça soit. Pour que ça fasse raccord. Bon, c'est pas grave, c'est un peu direct. Mais voilà, on y est. Ça marche pas mal. Bon, ça prend un peu moins de tours que je pensais au démarrage. Donc, faudrait que je rajoute encore une rondelle au Vario pour que la courroie descende encore un petit peu plus bas. Mais ça part très bien, hein, ça va, hein, ça galère moins que tout à l'heure à chaud. Enfin bref, donc nous y sommes, nous y ressommes avec le pot ressoudé. Voilà.
magnifique soudure de merde. Et puis j'en ai profité pour refaire les soudures hein, pour mes écrous de tresse qui tiennent les ressorts, parce que ça commençait à fêler apparemment. Donc voilà, nous y sommes avec la carburation enrichie, et donc ce coup-ci je vais pouvoir lui en mettre plein le cornet sans me faire caca dans la culotte. Voilà, donc que je n'ai même pas vu que je suis à la dèche. Non je déconne pas hein. Je mets pas de slip hein. Bah ouais hein. C'est la vie, c'est la crise. Voilà, donc je sais plus trop ce que je voulais vous dire, j'avais plein de trucs à vous raconter de nouveau. Ouais, donc tout à l'heure donc j'ai pas trop mis dans la tête hein, parce que comme je vous savais le réglage carburation j'étais pas sûr. Et puis en plus vous avez vu, il y avait du monde hein. Donc j'aurais pas voulu serrer au moment où je viens de passer entre deux camions. Voilà, si je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça doit faire bizarre hein. Bref, donc on va retenter ça. Je vais pas recracher sur ma culasse parce que elle doit être bien chaude, et puis j'ai vu tout à l'heure que ça chauffait pas trop. Donc voilà, c'est vraiment une configuration que je conseille hein, pour ceux qui ont une culasse Doppler et un Airsal T650. Donc mettez 1,5 mm de cale sous le cylindre et deux jointes 0,30 hein. Là en l'occurrence je dois avoir 0,50 et 0,30 hein, vu que c'est le joint Airsal d'origine. Donc ceux qui ont monté leur Airsal avec le joint d'origine, s'ils arrivent à le démonter sans que ça colle et que ça s'arrache, bah, vous rajoutez un petit joint de 0,30, 3 cales de 0,5, et ça marche vraiment pas mal. Pas mal. Maintenant, comme vous pouvez le voir, je ne truque pas les résultats. Hein. J'ai eu 110 tout à l'heure. Bon, certes, j'étais en train de passer entre deux camions, donc on va dire que j'avais de l'aspiration. Mais j'ai l'impression que la mob en avait encore un peu plus dans le ventre. Donc j'ai pensé qu'il était indispensable de pousser vraiment à fond. Donc j'ai enrichi. Et on va voir ce que ça donne ce coup-ci. Voilà. Donc on verra. Hein, 110, 111, 112, 113. On verra. Dans tous les cas, vous pouvez être témoin hein, que je suis quelqu'un d'honnête. Je pousse autant que je peux avec la culasse Doppler. Hein, donc je ne truque pas les résultats. Hein, j'ai pas déjà fait ma vidéo avec la culasse Boost. Hein, donc voilà. Il faudra que je fasse mieux avec la culasse Boost pour qu'elle apporte plus que son look. Voilà. Donc je rappelle les diagrammes. 172, 122, 123 à mon avis là. Avec le Doppler, j'étais à 171, 117 si ma mémoire est bonne. Donc on est un petit peu plus haut. On est plus haut que le Doppler. A savoir que le Doppler, on partait de 155, 108. Donc évidemment, on lui avait mis une cale de 1 et deux joints en base. Alors que là, il y a une cale de 1,5 et deux joints en base, dont un qui est assez épais. Donc voilà, pour rappel, le Doppler avait fait 112, je crois, ou 113, je sais plus. Donc, ce T6, il m'étonne, hein, il va vraiment pas mal. Bon, le seul problème, c'est qu'il y a un monde de dingue sur la route, hein, comme vous avez pu le voir. Donc c'est très probable que je me retrouve avec une chicane mobile, comme tout à l'heure quand j'ai pris 110. Donc dans le cas où je puisse pas vraiment ouvrir, je ferai demi-tour et puis je referai un run pourvu que j'ai encore de la caméra. D'ailleurs elle doit être en train de crever là. Bon, il y a encore un petit fond. Bref, n'oubliez pas d'essayer de me donner un petit coup de main sur la cagnotte Litchi. Comme je vous dis, ça servira uniquement pour les vidéos, c'est-à-dire mettre une nouvelle caméra, parce que celle-ci est flinguée hein, avec des pets, on voit les pets là, et le son est merdique. Voilà, donc accessoirement, j'aimerais bien aussi avoir l'indication GPS. Si jamais je l'ai, mais bon, je l'espère, hein, je suis déjà à 210 euros. D'ailleurs, un grand merci aux deux donateurs. Donc j'ai un anonyme que je suppose être quelqu'un que je connais. Je lui fais un gros clin d'œil. Et une autre personne, donc je vais mettre le nom là, que je remercie grandement parce que je ne le connais pas. On n'a jamais discuté, je ne l'ai jamais aidé.
Et il m'a fait un don de 60 euros. Ouais, franchement, c'est magnifique. Donc 60 euros. J'aurais bien aimé que 6 personnes mettent 10 euros. Ça m'aurait encore plus touché qu'une seule personne quand met 60. Mais ça me touche. D'ailleurs, si tu m'entends, n'hésite pas à venir en privé. Si tu as la moindre question sur ta mob, n'hésite pas. Hein, ça me fera très plaisir de te répondre. Donc je me rends compte qu'il y a des gens généreux quand même. Voilà, donc je ne l'ai jamais aidé, il m'a jamais posé de questions, et il me fait un don de 60 balles. Donc voilà, on se rapproche assez rapidement de la GoPro avec le GPS intégré. Yeah, la classe. Avec fini le son. Normalement, quand je vois les GoPro des poteaux, bah ça prend bien le son. Hein. Donc nous verrons, voilà. Bon, je vais arrêter mon blabla parce que je vais me retrouver encore en galère de batterie comme tout à l'heure. Et ça va faire un montage pourri si ça coupe. Donc je coupe et puis je vous mets dans la boîte. Enfin, je vous mets dans la boîte et je coupe. Et je vais laisser Kikine refroidir encore un peu. Voilà, à toutes. Bon, comme d'hab, hein, j'ai pas tenu 5 minutes. Hein. J'ai pas amené une petite clope à rouler ni rien, donc je m'emmerde. Donc allez, on remet à zéro. 93 en ville. Putain, il y a des moustiques partout ici. Donc voilà. Bah Greg, tu nous remets une petite musique là, parce que ton bruit de moteur de merde là, il nous fait mal aux oreilles. Ah merci, c'est cool. Allez go.
Bon voilà les poteaux, hein, donc c'est pas faute d'avoir fait preuve de bonne volonté. Hein, bon a priori il y avait un vent de face, donc j'ai tenté deux fois le run, une fois 105, une fois 107. Donc voilà, ouais, bon vent de face, donc bon bah pas moyen de faire mieux que 110, donc on retiendra 110. Donc c'était pas mal. Donc bah voilà ce que vaut un Airsal T6 avec 1,5 mm de cale, enfin avec 2 mm 2 de cale, un carbut 21, un pot un peu chelou, mais bon. Et des carters bien préparés, évidemment, avec un allumage à rotor interne. N'oublions point. Voilà les potes, donc bah, il va être temps de rentrer chez moi, et puis voilà, je vais faire le montage de la vidéo. Et puis je vous envoie ça sur le web pour vous régaler devant vos télés. Et voilà, donc bah, une petite piqûre de rappel, voilà, pensez à mon petit litchi slash boost, slash C, slash boost, parce que voilà, pour changer cette caméra que je suis obligé de recharger deux fois pour faire un bon vlog, ça devient fatigant. Et comme je vous dis, je ne veux pas dépenser le moindre euro dans une caméra. Tant que je pourrais faire un petit peu le boulot avec, je continuerai. Mais j'en suis pas loin de la GoPro, donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit geste. Ça m'ennuie vraiment de quémander comme ça, mais bon, voilà, moi j'essaie de vous faire des pièces mob qui déchirent, et essayez de penser un peu à moi, et sachez que plus vous m'aiderez, plus je pourrai sortir rapidement les pièces. Imaginons que je récolte 20 000 euros, je vous lance direct cylindre qui va avec la culasse avec des grosses ailettes, et des carters moteurs de ouf, et tout ça pas cher. Donc mettez un petit 10 balles, mettez un petit 20 balles, mettez un petit 5000 balles. Faut pas rêver. Enfin bon, suivant vos moyens, faites un petit geste pour m'aider dans mon entreprise. Donc autant pour mes petites vidéos qui servent à promouvoir Boost que pour lancer les futurs projets. Donc je vous parle d'une caméra, mais évidemment, ça serait surtout pour... ça serait en rêvant un peu, pour lancer les futurs projets qui sont le cylindre à grand deltage et les carters, comme je vous dis, très très sympathiques. J'ose dire mieux que mal aussi et Pauline. Voilà, donc les potos, je vous laisse. Pensez à mon petit geste, et puis bah, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci encore à vous tous qui me suivez dans mes aventures mécaniques. Salut les potes, bye bye.